#EmojiBZH. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour la Bretagne. Le début d'une campagne de 4 semaines qui va faire rentrer notre belle région encore plus dans l'histoire. Tous ensemble, nous allons prouver que l'emoji drapeau breton a sa place dans les 5,4 milliards de smartphones du monde. Les enjeux sont énormes. Avoir le Guenadu sur tous les claviers de la planète fera régner la Bretagne, ses artistes, ses entreprises, ses associations, dans tout l'univers numérique mondial. Pour répondre au consortium Unicode, l'instance américaine qui détermine les nouveaux emojis, nous devons tester l'emoji drapeau breton sur un réseau social. L'objectif, prouver son utilité. Et ce test, il commence à partir d'aujourd'hui. Dès maintenant, rendez-vous sur Twitter et utilisez le hashtag #EmojiBZH pour générer automatiquement l'emoji drapeau breton. Si vous n'êtes pas encore présent sur Twitter, c'est le moment de vous inscrire. Faites-le pour la Bretagne. Cet emoji temporaire appelé #flag va nous permettre de démontrer l'utilisation massive de notre emoji drapeau breton. Alors, nous avons besoin de vous. Oui, vous, les amoureux de la Bretagne. Vous, les Bretonnes et les Bretons du monde. Vous, les Normands, les Bordelais, les Lyonnais, les Parisiens, les Marseillais. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde. Everybody. Allez, foncez sur Twitter. Utilisez hashtag emoji BZH. Et bonne nouvelle, l'emoji drapeau breton est en ligne jusqu'au 9 février sur Twitter. Vous avez bien compris, vous avez 28 jours pour faire exploser les compteurs de Twitter avec le hashtag #EmojiBZH. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. On compte sur vous. Donc vous l'avez compris, il faut se mobiliser. Vive la Bretagne, vive l'emoji breton. On va sans blesse, vous tapez dans Memoji Guenadu. Merci, très bien.